Les deux pompiers, c'est moi. D'accord. Je les écris moi-même. Bonjour à toutes et à toutes sur la chaîne des Bretons. Voilà, c'était une petite surprise. On est dans la maison de Karine, qu'elle nous a gentiment accueillis chez elle. Donc vous allez la voir, pouvoir la voir après. Donc là, je vais vous présenter quelques petites maquettes que son mari fait maison. Donc j'ai demandé la permission de filmer, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un bateau qu'il a fait lui-même de A à Z. Et il a mis 6 mois à le faire. Mais il n'a pas acheté, c'est vraiment maison. Hein. Il a vraiment fait pièce par pièce, tous les jours, jour par jour. Donc je vous montre avec ça. Donc l'hélice, apparemment, il tourne. Il a mis un genre de petit moteur à l'intérieur de l'hélico. Donc l'hélice, il peut. Dès qu'il va le mettre en route, il peut. L'hélice, elle tourne, hein, ainsi que la petite. Donc ça a été mis ici, tout neuf. Il a mis des trucs, des hélices qu'il a fait lui-même. Avec des petits personnages. Donc voilà, je vous montre tout doucement. Avec le moindre petit détail. Enfin, c'est un bateau qui existe réellement. Hein. C'est pas une imitation ni quoi que ce soit, c'est un bateau vraiment qui existe, bateau de la marine. Parce qu'apparemment, l'un de ses fils, il est marin, et son deuxième fils il va être marin aussi. Donc tout est en détail, vraiment génial. Et le moteur il est carrément à l'intérieur. Il y a ce côté-là, et l'autre côté aussi, il y a un moteur. Donc voilà pour le bateau. Maintenant, je vais vous présenter ces camions. Ces camions style un peu américain. Moi, j'adore ça. Donc, c'est pareil. C'est des camions qu'il a fait lui-même. C'est vraiment le vrai. Avec le petit personnage à l'intérieur. Et la cabine, apparemment, la cabine pour dormir, il est là. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur. Voilà. Donc pareil, il va nous les présenter en. Il va les conduire dehors tout à l'heure. Parce que là, on va les manger. Donc ça, c'est en laiton. C'est lui-même qui les a fabriqués. Pour après, peut-être par la suite, il va peut-être mettre un truc dessus pour tenir. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Franchement, avec le petit moteur, les roues en dessous. Voilà, avec le petit truc là, qu'il a fabriqué lui-même. Franchement, vraiment, vraiment génial. Donc ceux qui sont intéressés par tout ce qui est maquettisme, franchement, c'est génial. Donc celui-là, le jaune, il est pareil. Voilà, tout fait maison. Enfin, quand je dis maison, c'est artisanal. Hein. Et apparemment, le volant, il tourne. Il y a la radio. Je crois que c'est sur celui-là, il y a la radio. Et il met de la country. Donc, on entend la radio et tout. Il y a les lumières, et s'allument et tout. Il peut aller devant, arrière. Je sais pas si je vois pas plus si je vous ai dit que le volant, il tournait aussi. Tu vois à l'intérieur le volant qui tourne et c'est vraiment vraiment génial. Donc ça c'est le, on a un autre, c'est le troisième, on le gagne. Donc voilà, donc, je vous montre avec le petit personnage, avec l'intérieur, voilà. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Donc ça, c'est la deuxième une remorque. Pareil, fait à la main industrielle. Voilà. Donc ça, c'est cette petite collection de voitures. Avec la vieille Peace and Love des années 70-80. Ah, les petites de Doge.
Citroën, Dadoche, vraiment de la petite collection. Voilà. Petite collection, oh, c'est... Ah, c'est vraiment phénoménal, c'est vraiment des vieilles vieilles voitures. Franchement, très très bien. La vieille 4L, camion de police. Voilà. Ça, c'est des vieilles voitures des années 30. Voilà. Ah, la DS, la Dodge, Michelin. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, je vous montre. Hein. La DS encore là. Citroën. L'avion. Les petits camions. Donc, une DS, 4L. Et ça, c'est les vieux. Des vieux camions. Donc voilà. Donc voilà la petite collection du mari à Karine. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et le piston, bah, il est passionné de jeux vidéo. Ah, de PlayStation. Donc je pense qu'il nous fera une petite démonstration de jeu après. Voilà. Et voilà. Voilà pour cette petite première vidéo. Donc il y aura d'autres vidéos, hein, ne vous inquiétez pas, hein, j'en ferai d'autres. Et bah là on va les manger. Donc pareil, hein, si ça vous a plu, likez, laissez un petit commentaire, abonnez-vous, partagez pour vous faire connaître la chaîne des Bretons. Et bah et voilà. Bah allez, à tout à l'heure. Il y a la patronne qui m'appelle. Et on fera une autre vidéo après. Allez, ciao les amis. Plouch.